Après le succès des quatre premières éditions, la cinquième édition des Toiles du Sud à Cotignac comporte, comme chaque année, plusieurs temps forts. Et c'est en plein air. Alors il y a toujours des avant-premières, bien sûr, des ciné-concerts, des films cultes. Parmi les invités prestigieux, d'ailleurs, le réalisateur Georges Lautner. Reportage hier soir à Cotignac de Louis Aubert et de Michel Partage. Il y a des films cultes, il y a aussi des réalisateurs cultes. Cet homme a marqué l'histoire du cinéma français. Monsieur Georges Lautner. À l'affiche de la soirée, Le Pacha, musique originale de Serge Gainsbourg, dialogue Michel Audiard. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est un film qu'on a aimé faire. Avec Capin qui a aimé le faire. Et c'était quand même en dehors du temps. On s'est entendu merveilleusement. Parce que c'est un personnage extraordinaire. Tout le monde parle d'infarctus, de cirrhose, de cancer. Enfin, moi, je dis que la pire maladie des hommes, c'est de donner tout son amour à une seule bonne femme. Ça, c'était pour les étoiles du Festival d'Étoiles du Sud. Sur scène, une étoile montante. Un homme accordéon plus hip-hop que musette. Je joue pour ne pas croire aux bombes H. Je joue pour ne pas croire aux bombes H. Et je joue. Je joue. Bat.G a longtemps écumé les scènes parisiennes. Cotignac, c'est un retour vers des cieux aimés. Ça me fait vraiment plaisir de revenir dans ma région, jouer avec des gens qui aussi peuvent comprendre mon histoire. Être né au bord de la mer, c'est pas rien. Vivre à Paris, c'est pas rien. Y revenir aussi, c'est quelque chose qui se vit intimement. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le partager. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens aussi qui vadrouillent dans cette région. Beaucoup de gens sont connectés avec plein de lieux différents. Et du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ici, dans le Var, mes chansons d'ici et d'ailleurs. Le festival de Cotignac se poursuit pour trois soirées sous le ciel de Méditerranée.